Le prochain défi va vous demander de faire 3 ruées en 10 secondes en étant sous l'effet de la ruée des enfers. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à vous rendre aux enfers, hein, qui se trouvent en haut à gauche de la map, donc juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, vous avez de l'eau verte et toute cette eau verte, en fait, va vous donner l'effet de la ruée des enfers. Donc vous avez juste à rentrer dans cette eau et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire les ruées en double-cliquant sur la touche du saut, donc X comme ceci. Et dès que vous aurez fait 3 ruées des enfers en 10 secondes, donc vous avez 10 secondes pour en faire 3, et ben vous aurez terminé le défi. Alors, petite information supplémentaire, regardez. Quand vous allez dans l'eau, vous avez 3 petites têtes de mort autour de vous, enfin derrière vous. Ça veut dire que vous avez 3 charges des enfers que vous allez pouvoir utiliser. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, je n'ai plus de têtes de mort, donc je ne peux plus faire de ruée des enfers. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est hop, les prendre et les garder sur vous. Au cas où vous êtes en train de faire un fight et que vous voulez vous enfuir, vous avez la possibilité d'utiliser les failles des enfers, enfin les ruées des enfers quand vous voulez. Alors je sais pas si ça dure éternellement, donc je vais regarder un peu. Bon, ça fait 1 minute et 20 secondes que j'attends et vous pouvez voir que j'ai toujours les têtes de mort autour de moi, donc je pense que ça dure éternellement. Alors j'ai une petite question que je me posais, c'est est-ce que ça évite les dégâts de chute? Donc on va tester ça. Hop, j'utilise une ruée des enfers et là effectivement ça évite les dégâts de chute, donc c'est assez stylé. Et au final, pour terminer votre défi, vous avez juste à utiliser les 3 ruées des enfers en 10 secondes et dès que ce sera fait, ben là vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCL.